Donc les amis, préparation de meubles est bien en cours. Là, j'ai coupé le plan de travail, donc j'ai pas encore fini. Alors, ce que je voulais vous montrer, je suis dans un vieil pavillon à Chimay, baissé avec un réservoir, un étage chez dégueulasse. Dégueulasse ou dégueulasse, quoi que ça arrive. Bref. Donc, dernière fois qu'on y a eu des travaux ici, c'était, je pense que par rapport au propriétaire, elle était jeune, donc aujourd'hui le propriétaire il a quasi 70 ans, on peut dire 30-40 ans. Chaudière au fioul. Et regardez, salle de bain. Ça c'est un salle de bain au sous-sol. Ça donne des souvenirs, des films, des horreurs là. Oh là là, la vieille installation, les amis. Là, c'est le tour de plan de travail, les amis. Il faut le couper. Pour le couper, je ne sais pas si vous voyez bien comme il faut. J'ai fait des traces avec un crayon. Voilà, j'ai tracé. Par contre, avant de faire quoi que ce soit, je mets le scotch côté à l'extérieur. Comme ça, lorsque je vais poser la scie sauteuse, il ne va pas faire des traces. Les amis, une petite astuce, chaque fois quand vous coupez un plan de travail, regardez, ça c'est le meuble que j'ai coupé. Et vous voyez comment elle est déglinguée là lorsque je l'ai coupé. Il y a toujours des traces sur les traces des dents là. Les dents de scie sauteuse. Donc, les amis, pour éviter ce système-là, prenez un peu de scotch. Voilà. Et vous mettez un peu de scotch. Autour du scotch, vous prenez un niveau. Vous essayez de la couper. Avant de la couper, mettez bien le scotch. Et dès que vous avez mis le scotch, prenez un niveau. Et prenez un cutter. Et il faut couper avec. Faut passer un coup de cutter. Comme ça va faire un trait sur le plan de travail. Ça vous évitera de recevoir les traces des dents sur la scie sauteuse. Regardez le résultat, les amis.